Chronique de l'environnement. L'amélioration des systèmes agricoles au Mali prend un nouveau tournant grâce à une initiative innovante pour la DUSORS avec le soutien de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, lance un programme d'assurance agricole destiné à promouvoir l'irrigation à petite échelle et la mécanisation à énergie verte. Ce projet qui cible les chaînes de valeur du riz, du mil, du maïs, du sorgho et du nivé vise à accroître la productivité, à renforcer la résilience et à faciliter l'accès des agriculteurs au marché. Plus de détails, c'est dans la chronique environnement avec Aguibou Koulibaly. Sous la direction de Pierre Sagara, directeur régional de Poula, Advisor, ce projet met en œuvre une assurance agricole efficace et novatrice. Il repose sur une combinaison unique de données satellitaires, historiques et d'observation de terrain. En collaboration avec les agriculteurs, Poula Advisor prévoit d'utiliser ces informations pour mieux évaluer les risques agricoles et adapter des solutions d'assurance qui répondent aux réalités locales des petits exploitants. Pierre Sagara, directeur régional de Poula Advisor. À Poula, nous avons développé principalement deux types de produits. Le premier est appelé l'assurance indicielle de rendement par zone. Et donc, l'assurance à indice de rendement par zone est un produit qui dit au producteur, on va prendre le rendement moyen historique. Habituellement, c'est quoi la moyenne de vos rendements ? On vous garantit ça. Et pendant la saison agricole, il y a un suivi par satellite et par d'autres technologies que nous faisons pour s'assurer de l'évolution de la saison agricole. Comment est-ce qu'elle évolue ? Et est-ce que le développement des cultures est normal ? Et vers la fin de la saison agricole, nous mobilisons des agents terrain. C'est ce qu'on appelle des agents recenseurs ou des énumérateurs qui vont aller accompagner les producteurs dans leur champ, collecter les données, des données de rendement surtout, mais aussi des données biographiques, des données sur les différentes spéculations que le producteur est en train d'exploiter, sur sa famille, ainsi de suite. Le deuxième produit, c'est l'assurance indicielle hybride de rendement. C'est une assurance qui combine l'assurance indicielle météorologique et l'assurance indiciel de rendement par zone. Troisième produit, c'est l'assurance bétail. Les systèmes d'irrigation à petite échelle soutenus par cette initiative permettront aux agriculteurs de mieux gérer l'eau, un facteur crucial pour la production des cultures souvent affectées par la variabilité climatique. Au regard des expériences assez probantes de Poula à travers le monde, donc Agra a conçu dans le cadre de sa stratégie 3.0 un programme sur notamment l'accompagnement des producteurs agricoles à s'adapter au changement climatique. Donc c'est un mécanisme d'adaptation au changement climatique. Donc c'est là où en fait ils ont accordé une subvention à Poula pour concevoir et mettre en œuvre une assurance agricole efficace et innovante grâce à une combinaison de données satellitaires, historiques et de données sur le terrain pour les petits agriculteurs utilisant un système d'irrigation à petite échelle pour acquérir par exemple les pompes solaires pour la petite irrigation. Grâce à ce projet, Poula Advisor entend non seulement améliorer la productivité agricole mais aussi renforcer la résilience des petits exploitants face aux risques climatique tout en facilitant l'accès au marché. Cette assurance agricole combinée à des solutions d'irrigation et de mécanisation à énergie verte est une véritable révolution pour les petits agriculteurs.